Bonjour à tous. Dans cette deuxième épreuve du Quintet, ils sont surpris. Je vais bien évidemment faire confiance au numéro 8, la Templière, que l'on ne présente plus. Cette pensionnaire de Michael Delzangle affiche plusieurs accessits dans les gros handicaps et notamment une troisième place sur ce parcours à cette même valeur. Elle vient de prouver sa forme sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Tout est réuni ce samedi pour qu'elle renoue avec un succès qui la fuit quand même depuis novembre 2021. Je me méfie également du numéro 2, Capani, qui traverse une belle passe actuellement, restant sur une quatrième place sur le parcours du jour sans avoir été des plus chanceux pour finir, et une deuxième place dernièrement sur l'hippodrome de Strasbourg, toujours dans des quintés compétitifs à cette valeur. Il mériterait lui aussi de renouer avec le succès. Maintenant, c'est à vous de jouer. Surtout, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne, et on se retrouve tout de suite pour un nouveau Côté Cote dans la 9e.